Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Resident Evil HD. La dernière fois, on avait fait les égouts, enfin une sorte de truc de bizarre. Les égouts, on avait ressurgi dans la cabane. Là, on va se. Donc là, on va se diriger vers la maison et nous allons ouvrir les grilles. Donc. On va prendre. Ce qui est à mon avis important, ça, ça. Ça a l'air bon. On va prendre un mélange, on sait jamais. Tac. Ok. Non. Voilà, on est y part. Pardon. Alors. J'y savais pas pris. Ah non. Alors. Normalement. Il y a un zombie, voilà. Qui regarde la lune, ou je sais pas ce qu'il regarde. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Donc, bah, comme vous le saviez, je connais pas du tout cette nouvelle maison. Donc, forcément, derrière ces grilles, je ne sais pas ce qu'il y a. Et ça me fait relativement peur. Parce que c'est bien connu. On a peur de l'inconnu. Donc apparemment, je pense que c'est... peut le reprendre. Voilà. Donc apparemment je pense que c'est comment on appelle ça? Par là-bas que se trouve le labo. Donc on va passer par ici. Ouais parce qu'en bas il y a peut-être enfin dans mes souvenirs il y avait des araignées, des machins. Peut-être encore des hunters. Au moins ici c'est secure. Pour moi, je crois que c'est secure, donc. Personne. Il n'y a pas l'air d'avoir. Donc c'est parti. Ah là 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 là. Ok. Pour ceux qui connaissent un peu... Alors... C'est
C'est parti. Alors, les deux emblèmes s'emboîtent parfaitement dans la porte. L'ouvrir. Bah oui, on n'a pas fait tout ça pour pas l'ouvrir. Ah merde, j'aurais peut-être pu sauvegarder ici. Non. On y va. Ah bah. Ouais mais non parce que si je meurs, je vais devoir tout recommencer. Si je meurs, je serai au courant. Oh là 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 là. Forcément, t'avances à l'aveuglette, puis après tu trouves la carte une fois la fin. Côté machine. Attends. Ok, oh là là, les caméras, toi. Ah oui, non, excusez-moi, c'est moi qui bug en fait, c'est moi qui vois pas bien. D'accord, donc, une échelle. Ouais, ça sera peut-être mieux. Je me suis déplacé un petit peu. Jill, you're alive. I was worried, because I thought you were. Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Uh-oh. Time to talk. Jill, hand me my gun. Thanks, Jill. Je crois que j'ai compris. J'ai bien fait de donner le flingue à Barry. I don't believe that thing's really dead.
Leave this place up to me and go on ahead. Okay. Non, j'ai cru qu'il y avait un truc qui brillait, mais c'était une lampe. Alors, le mec a voulu me buter. Je lui ai rendu son flingue parce que, bon, forcément, il y avait du danger. Et puis là, il me dit, non mais vas-y, moi je reste là. Et zut. C'est pas grave, je vais faire un demi-tour. Je ne savais pas que c'était déjà ici. Donc l'emblème de l'aigle et ok, l'emblème du lion. Eh ben on va descendre au laboratoire. Ah oui, merde, le boulet, j'avais pas vu l'échelle, hein, je vous le dis. Oh non, mais sérieux. Ouvre tes yeux, quoi, Butters, ouvre tes yeux. Open your eyes. Bah finalement, j'ai pas eu utilisé mon fusil à pompe. Alors, médaillon du loup. Et c'est médaillon de... Ah pas, il est là, désolé. Par contre, ouais. J'espère que je vais en trouver d'autres parce que... Oui, je pense à une chose parce que d'après mes souvenirs, en fait, il me fallait trois disques mous. Et là, j'en ai qu'un. Est-ce que je vais en retrouver des autres? Non, je crois que c'est ça. T'en trouves un à l'extérieur et deux... On verra bien.
Mais par contre, comment elle est balèze, Jill. Le mec, il est baraqué et tout. Il se retourne pour tirer dessus. Bam. Elle fait une prise. Eh bien. L'architecte, il est tordu quand même. Ok, j'ai fait tout le tour. Prendre l'ascenseur, bah non, non. C'était juste pour voir ce que ça ouvre. Pardon. Ah. Un ruban. Eh oui, mais c'est bon, on prend. Don't move, police! Ah! Un disque mon. Verrouiller électroniquement. Donc ça m'en fait deux. Ouais, je pense que les deux autres étaient là.
Oui, avant d'ouvrir des portes, je fais le tour. Donc voilà. Donc, je commence par la première, hein. Forcément. On va faire les portes dans l'ordre, hein, on sait jamais. Une radiographie. Une radiographie. Alors, il y a quelque chose de griffonné. Pour utiliser la porte électronique, placez les initiales alphabétiquement. Quoi ? Placez les initiales alphabétiquement. Alex Béchette, le nom est écrit en haut de la radio. Alex Béchette. Ed Fischer. Clark Davis. Gail Holland. Donc là c'était Alex Béchette. Attends. Alex Béchette. Mais non. A, B, C, D. E, F. G, H.
Je comprends rien. Ou alors c'est moi qui ai rien compris. Pour utiliser la porte électronique, placez les initiales alphabétiquement. Et ben c'est fait. A, B, C, D, E, F, G, H. G, H. Bah ouais, bah c'est... Non. Je peux pas utiliser l'ordinateur. Oh bah... Ok, me casse, je reviendrai plus tard.
Ouais, désolé, hein, je comprends rien, je fais n'importe quoi, mais. Je suis sûr que vous avez trouvé, vous étiez en train de dire. Espèce de boulet, reviens en arrière, c'est là, change les trucs, machin, fais ça. Ah bah voilà, c'est ça que j'ai ouvert. Preuve qu'ils ont voulu nous tuer. Et ben, il se trouve que j'ai un disque mot. Bah écoute, on est là pour... Attention! Bon, on va peut-être pas y aller. Bon, par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il faut que je retourne de l'autre. Ah non, j'ai trop de choses dans mon inventaire. C'est pas grave, on va retourner là. Je comprends pas, j'ai mis dans l'ordre, ça marche pas, donc je vais inverser. Donc j'avais raison.
C'est Holland qui est au fond. Voilà. Ouais, c'est bien. Une partie rougeoie, une partie rougeoie, une partie rougeoie, une partie rougeoie. Je crois que j'ai compris. Ouais, le colon, donc c'est ça, c'est là-haut. Non, je voulais pas. Voilà, donc c'est E. LL. Ok. Bon, on retourne de l'autre côté, on va remettre le code pour l'autre. Donc CELL. Donc j'ai débloqué le truc électrique. Ouais. La grande porte. Je trouve un disque mot. Ben voilà, ça c'est fait. Action, cette restriction ne s'applique pas en cas d'urgence. Passage vers l'héliport, entrée interdite. Albert Wesker.
Le serveur, ouais, ça on l'a déjà tué. Neptune, il est mort. Hunter, on l'a tué. Tyran, on l'a pas eu. Et tout à droite, c'est qui ça? Albert Wesker, comme par hasard. Trois, quatre, un, sept, zéro, six, deux, trois. Attendez, on va le noter, on sait jamais. Hein. De toute façon, ça sert à rien, mais bon, on sait jamais. Je pourrais pas retenir, de toute façon. Voilà. Du matériel publicitaire pour les armes Umbrella. Bah, c'est le même que j'ai eu. Hein? Ah, 8, 4, 6, 2. Ok, il est là. Quatre, six, deux. Oh oh. Encore des secrets de passage. La clé du laboratoire, cool. Bon, on va regarder la cassette de Kenneth. Get away from me! No! Hey! No! Donc, bah, on s'est rendu compte que Kenneth était mauvais. Pauvre Kenneth. Donc, bah, c'est bon. Par contre, il n'y a pas des... Il n'y a pas un truc pour utiliser... non, c'est pas ici. Non, c'est pas ça. Non. Faut s'en aller. Ah bah, c'est là. Désolé, hein, j'ai encore fait bouler. Par contre, pour le disque mou, c'est au même endroit. Ah oui, c'est peut-être un disque par... Je vais voir si je peux ranger les balles. Je vais trimballer ça. Et... Si je peux, bah, je vais chercher de l'autre disque mou. Alors, les balles. On va aller. Ok, c'est pas là. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc je vais faire les disques mous. Je vais utiliser la clé. Puis je sauvegarderai.
Allez, debout, je sais que t'es pas mort. Il est cané. Ah oui, il y a l'autre normalement. Ah, il dort toujours. Ok, donc c'est un truc par par disque. Et zut, bah c'est pas grave. Donc il doit rester quoi non, c'est l'autre côté. On a ouvert la porte là, la petite porte ouvre. Donc il va ouvrir une porte. Donc ici on est. C'est ça hein. Non, c'était là. Il faut débloquer un truc pour ouvrir la grande, sûrement. Ok. Ça, j'ai une porte. Ouais. Il faudrait que je trouve un plan, là, parce que c'est une galère. Bah écoutez, je vais sauvegarder. Allez, je vais sauvegarder là et puis on fera le... Et on continuera plus tard. Hop. Comme ça, ça se stack. Hop, voilà, c'est bon. Ouais, la vidéo sera un peu plus courte, mais c'est pas grave. Bon, bah voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à ciao les amis.